Me revoici auprès de vous. Je vous avais promis de vous montrer les upgrades. Bien entendu, je prends la seule machine qui n'en a pas. Vous savez ce qu'on place ici. Alors, il en existe quatre sortes, dont trois dont je connais l'utilisation et un dont je connais pas trop l'utilisation. Je me renseignerai si ça vous inquiète, donc mettez-le moi dans les commentaires. Le premier, c'est l'overclocker. L'overclocker permet d'augmenter la vitesse de la machine de 20%, mais au prix de 20% de consommation d'énergie en plus. Vous avez le transformer upgrade, donc il faut tout ceci pour le crafter, et vous avez le energy storage upgrade qui se craft de cette manière-là. On va uniquement faire celui-ci, l'overclocker. Puisque les autres, à la limite, on n'en aura jamais l'utilité. Je vais quand même vous expliquer à quoi ils servent. Le Transformer Upgrade sert quand vous allez passer à des énergies ou à des vitesses de circulation de l'énergie plus importantes, c'est-à-dire en moyen voltage et en haut voltage et en très haut voltage, à éviter que vos machines explosent, puisque vos machines, ces machines basiques, sont en bas voltage. Donc dès que vous voudrez passer au voltage supérieur, il faudra mettre des transformers. Sachant que quand vous en mettez deux par machine, normalement vous n'avez plus de problème d'explosion dû au haut voltage. Ensuite, vous avez l'énergie storage upgrade, ce qui permet d'emmagasiner plus d'énergie en stock dans chacune des machines. Alors là, c'est illimité. Je crois me rappeler une fois, j'en avais mis 50 dans une machine, ça marche. Et le dernier, c'est le range upgrade. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Je peux pas vous l'expliquer. Il se fabrique de manière assez simple, mais je ne sais pas trop à quoi il peut servir. Peut-être à une télécommande éventuelle, enfin je ne sais pas. Donc l'overclocker upgrade, c'est tout simple. Il faut 3 10K coulants de sel, un électronique circuit et 2 copper cables. Donc on va en fabriquer un. Comme ça, vous verrez à quoi ça sert. Et je vous montrerai l'effet tout de suite pendant qu'il y a encore quelques petites choses qui cuisent. Je vire ça, sinon c'est tout noir. Alors, il nous faudra du copper cable. On va faire un électronique circuit, donc il nous faudra ceci. Et des coulants de sel, donc on va prendre du tin. Hop. Alors, je fais l'électronique circuit avec vous parce que j'ai peur que vous oubliez le craft en fait. Hop. Et voilà. Donc le circuit électronique était ici. J'ai déjà oublié le craft. Ça, vous verrez, ça vous arrivera plus d'une fois. Hop. Et donc 3 fois 10K coulants de sel. Hop. Comment fabrique-t-on des 10K coulants de sel? On met un water bucket et on l'entoure de tin. Et voilà. Vous récupérez votre seau vide et vous en avez un. Ça vous explique maintenant ce que vous avez vu tout à l'heure, pourquoi j'ai créé une source d'eau infinie. Voilà le deuxième. On va se préparer tout de suite pour le troisième. Deux. D'ailleurs, ce craft-là, 4 tins, ça vous permet de créer 8 empty cells. Donc 8 cellules vides en français. Le deuxième seau d'eau, il est ici. Hop. Et nous avons nos trois. Donc nous les plaçons ici. Comme vu précédemment, deux câbles en copper sur les côtés et un électronique circuit sur le bas. Et nous avons un overclocker. Essayez d'éviter de dépasser 3 ou 4 overclockers parce que vous allez voir que la consommation va flamber pour un gain en productivité qui est assez faible. Alors, ah bah tiens, ça me permet de vous montrer la monazite or, c'est un minerai vert que j'avais miné, donne du forcicium, dont vous verrez l'utilité bien plus tard. Donc vous voyez à quelle vitesse ça va? Voilà. Vous avez vu tout de suite l'accélération que ça a donné. Avec et sans. Oh, de la même manière. Ah bah non, bah pour info, je vous le montrerai pas puisque j'ai terminé toutes mes cuissons. Je vais donc le laisser là-dedans. Donc désormais, il consomme 20% de plus. Ensuite, la suite. Je suis un peu épuisé par la consommation de charbon de cette machine, du générateur. Donc il va falloir trouver une solution alternative. Vous voyez, tout à l'heure j'avais ça tout rempli. Il ne me reste plus que deux stacks de charbon pour faire fonctionner mon générateur. Ça coûte une fortune. D'autant plus que je me dis, si là mes machines tournent à plein, donc à la limite c'est pas gâché, mais à la limite
Que va-t-il se passer de l'énergie restante si par malheur j'arrêtais de faire produire par ces machines? Elle serait perdue. Donc pour éviter qu'elle se perde, on va essayer d'en stocker un peu. Et pour en stocker un peu, le premier craft à faire, c'est ce qu'on appelle une batbox. Une batbox va pouvoir stocker 40 000 d'énergie. Donc il faut 3 riz batteries, un copper cable et du bois. Jusque-là, rien de très compliqué. Hop. Je place donc mes 3 riz batteries, un copper cable. Et bien entendu, j'avais pas préparé mon bois. Je vais réutiliser. Ah bah non, ça sert à rien de toute manière puisque je vais perdre tous les items qu'il y a là-dedans. On avance d'un pas. Voilà. On recommence. Et du bois. Et nous voici avec une batbox. Donc une batbox qui accepte qui accepte l'énergie en basse tension et qui la ressort en basse tension. Donc nos copper cables tiendront très bien pour cette machine-là. Sauf que vous allez voir que nous allons l'utiliser à autre chose que ce que j'ai dit. Et oui, je suis un petit cachottier. Mais de la manière dont je dis ça, ça fait très... Bon, bref. Je ne l'utiliserai pas à ça. Je passerai directement au MFE, qui est la sauvegarde d'énergie de taille un peu plus importante. Là, nous allons commencer à utiliser nos diamants pour faire 4 Energy Crystals. Ensuite, je vous montrerai le dernier câble, enfin, un des derniers câbles, qui est le Gold Cable. Et vous allez voir, Gold Cable, on va utiliser du gold, donc de l'or. Donc, il me faut 4 diamants, de l'or et un machine block. Nous sommes partis. Nous prenons donc 4 diamants. On reprend de la redstone parce qu'on n'en aura pas assez. On enlève ça. Donc nos 4 diamants au milieu que nous allons cerner par de la redstone. Et voilà 4 Energy Crystals. Une machine block. Donc on va aller rechercher du refined iron. Oup. On va prendre l'or en même temps puisqu'on en aura besoin. Et on va reprendre du rubber puisqu'on en aura besoin. Il n'est pas ici, donc il est en haut. Voilà. Vous voyez, j'ai récolté un peu de rubber et j'ai continué à stocker puisque ça va être très utile. Donc les câbles en or, vous en mettez 3 comme ceci, vous en aurez 12. Pour le craft, nous n'en avons besoin que de 4. Donc nous allons faire un premier passage avec du rubber, ce qui va le donner du insulated gold cable. Mais c'est pas ce qu'il nous faut, il nous faut du deux fois insulated gold cable. Donc on le remet une deuxième fois. Hop, et voilà. On fait notre machine block. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On le place au centre. Nos 4 Energy Crystals. Et nos 4 deux fois insulated gold cable. Et voilà un MFE. Alors la bad box peut contenir 40 000 d'énergie, le MFE 600 000. Ça nous laisse déjà un peu plus de marge. Mais vous me direz, à LSR, tu nous as dit tout à l'heure que plus on allait monter en énergie, plus la tension allait augmenter. Effectivement, il va falloir transformer l'énergie qui va sortir du MFE de manière à ce qu'elle puisse rentrer dans les machines. Donc à cet effet, nous allons créer un transformer, un light voltage transformer, qui est là. Très facile à crafter, 2 copper cables, du copper au milieu et 4 bois. Hop. On enlève ça. Donc, du copper au milieu, 2 copper cables et 4 bois. Nous avons donc un LV transformer. Et je déteste m'embêter. Donc, je sais que de toute manière, il arrivera un temps où mes câbles en copper seront trop faibles. Donc, pour éviter ce souci, je vais les changer.
Donc je vais casser ce que je viens de faire en gros. Et je vais les remplacer par du câble que je vais faire à base de diamant. Donc pour ça, je vais en prendre tout de suite 4. Comme ça, on sera tranquille un moment. Il me faut du verre que j'ai dû laisser dans l'autre coffre. Hop, il est là. Nous avons de la redstone et du silver. Alors, il existe deux méthodes pour le crafter. De toute manière, il faut toujours mettre du diamant au milieu, du verre au-dessus. Et vous avez deux solutions. Soit vous mettez de la redstone sur les côtés, dans ce cas-là, vous aurez de la fibre par 4. Mais la redstone est un bien précieux que je conserve, donc je vais plutôt mettre du silver. Et vous allez voir qu'au lieu d'en avoir 4, j'en ai 6. Donc comme le silver ne sert pas énormément à part pour faire des coffres et pour des choses comme ça, c'est beaucoup plus rentable de faire vos fibres avec du silver plutôt qu'avec de la redstone. Donc, on va retirer tout notre câblage. Ça s'enlève très très vite. Et on le remplace par ceci. Voilà, tout est à nouveau relié et je tombe à l'eau. Vous voyez, toutes nos machines sont à nouveau alimentées. Alors, le forcicium, vous allez voir, on va s'en servir dans très longtemps. Maintenant, on va essayer d'installer notre MFE ainsi que notre LV transformer. Alors, hop. Pour cela, nous allons commencer par déplacer le générateur. Pour déplacer le générateur, il va falloir créer une nouvelle machine. Et pour créer cette nouvelle machine, un nouveau métal. Il nous faut du copper et il nous faut du tin. Hop. Donc, on va mettre du tin juste ici. Du copper, pardon, juste ici. Et dans le petit creux qui reste, on met du tin. Et vous voyez que nous créons du bronze. Ce bronze, quand vous le disposez comme ça, nous permet de créer une clé. Ou une wrench, en anglais. J'en crée tout de suite deux, et vous allez comprendre par la suite pourquoi. Voilà. Donc la première, je la garde en main. Je ne gaspille aucune énergie, puisqu'il ne reste plus rien dedans. Et je clique droit. Voilà, j'ai donné un coup de clé. Plus aucune machine n'est alimentée. Donc notre MFE, on va le placer ici en haut. Alors pourquoi en haut? Parce que moi je trouve ça plus pratique. Alors vous voyez que votre MFE, vous avez une sortie, là qui est représentée par une petite prise. Et tout le reste sont des entrées. Vous pouvez faire rentrer l'énergie par toutes les autres côtés et faire sortir l'énergie par la prise que vous voyez là. Donc en prenant mon wrench et en effectuant un clic là où il n'y a pas la prise, un clic droit, hop, la prise s'est mise du bon côté. Donc si je fais ça ici, c'est pareil. Voilà. Si par malheur la prise était sur l'autre face ou que vous vouliez l'avoir sur l'autre face, vous faites un sneak. Et clic droit. Donc maintenant la prise est complètement à l'opposé sur le plafond. Bon, c'est pas ce que nous voulons en l'occurrence, nous le voulons ici. Nous l'avons vu tout à l'heure, il ne faut surtout pas oublier de mettre un LV transformer. Donc je le mets ici. Vous voyez qu'il y a une grosse prise tout en haut du LV transformer avec 3 pans et tous les autres ont un pan. Donc l'entrée d'énergie du transformer doit se trouver vers la sortie du MFE. Donc je prends mon wrench, un sneak, clic droit, et voilà. Donc si je rajoute juste ici un simple câble, je vais aller coller, pour vous montrer l'effet, le générateur à côté du MFE. Hop, je vais y mettre du charbon, je crois que j'étais allé en chercher. Donc voilà, je produis, il s'en va dans le MFE, vous voyez que ça commence déjà à s'accumuler,
on peut aller jusqu'à 600 000. Vous voyez qu'il sort 128 Electricity Unit Partic. Comme on l'a fait passer par un LV Transformer, il redevient en basse, en énergie basse, donc il permet d'alimenter toutes les machines. Tous nos problèmes sont résolus pour le moment. Enfin, presque tous nos problèmes, parce qu'il y en a un qui me dérange encore beaucoup, c'est le problème de la consommation de charbon, puisque ça, tout ceci consomme énormément de charbon. Donc on va essayer d'y remédier en se créant une réserve d'énergie renouvelable. C'est pour ça que j'ai crafté 16 fours d'avance et que j'ai crafté 16 riz batteries d'avance. Vous ne me demandez pas pourquoi. Ça tombe bien, j'avais pas l'intention de vous le dire. Non, je plaisante. Voilà, on se met sur la table de craft. Je vais recrafter 16 générateurs. Hop, hop, et voilà. Ah non, ce sont des... Oui, ce sont des Iron Furnace qu'il me faut. Donc on va faire ça. Coup de chance. J'ai le matériel qu'il faut. Donc ça coûte assez cher. Mais vous allez voir que par la suite, on sera bien content de l'avoir. Hop. Voilà, nous avons nos 16 Iron Furnace. Nos 16 riz batteries. Et 16 générateurs. On va pas mettre 16 générateurs pleins de charbon. Donc les générateurs, on va tout de suite les transformer. On les met au milieu. On les entoure de chaque côté dans les angles par du bois et des sticks juste ici. C'est l'inverse. Ça m'étonne pas de moi. Voilà. Donc nous pouvons créer par générateur de watermill. Watermill va nous permettre de créer de l'électricité par l'intermédiaire de l'eau. Donc moi j'en crée 32. Pourquoi? Parce que je me suis renseigné sur internet que un watermill crée un EU par tick, ce qui est quasiment rien du tout. Je vais en profiter pour remplir mes seaux d'eau. Et là on arrive dans le petit local que je vous ai préparé ici, qui va me permettre de créer un générateur à eau d'électricité. Infini et optimisé. Donc je descends au fond de mon générateur. Non, je descends pas. J'ai oublié encore quelque chose pour changer. Exactement. Donc je remonte. Alors il faut savoir que le watermill sort de l'électricité en basse tension. Donc il ne pourra sortir, être véhiculé que par un ultra low cable que nous avons crafté tout à l'heure avec du tin, si vous vous en souvenez. J'espère que vous vous en souvenez. Donc maintenant, on n'a pas oublié, on peut descendre. Voilà. Je retire la lumière. Un tin au milieu. Je vais remettre une torche pour que vous y voyez quelque chose. Un tin au milieu, donc, que je vais cerner, donc de quatre côtés. Par des watermills. Je remonte d'un cran et je fais donc ça 8 fois. Bon, il ne devrait pas y en avoir pour très longtemps. Donc, je vais le faire avec vous. Je vais essayer de trouver une manière intelligente de le faire parce que là, c'est pas pratique. Et je vais être embêté après avec la cobblestone que j'aurais utilisée. Donc, hop. Est-ce qu'en faisant un sneak clic droit, j'arrive à placer la machine? Magnifique, ça marche. Ça marche pour la plupart des machines. Sneak et clic droit. On arrive au bout.
excusez-moi si c'est un peu long, mais au moins vous pourrez pas dire que vous n'avez pas vu tout le processus. Oui, ça c'était idiot. Donc vous voyez d'ailleurs que le watermill, vous pouvez l'alimenter par des seaux d'eau. Il faut 4 seaux d'eau pour le remplir et il va produire, mais il produit une quantité dérisoire d'électricité, donc enfin 2 U. Donc moi personnellement, je suis pas un adepte. Puis comme on a les capacités pour le faire. Alors vous voyez ici, on a créé l'intégralité. Je vais pas m'embêter. Juste après, je reboucherai. Donc ici, on va utiliser la bad box que nous avons créée tout à l'heure, ce qui va permettre d'emmagasiner l'électricité qui sera créée. Donc il y a, on est toujours d'accord, il y a une entrée. Et le reste, sondez, vous suivez pas, sondez, sortie. Donc, comme nous voulons utiliser l'entrée, on reprend le wrench, un clic droit, non plutôt un shift clic droit, et voilà. Donc là, elle est tournée dans le bon sens. Comme c'est une machine qui fonctionne avec de l'eau, il va falloir que nous remplissions le réservoir que j'ai créé d'eau. Ce que nous allons faire pas plus tard que tout de suite, en essayant de ne pas se tromper. Et de 1. Et de 2. On remplit les seaux d'eau. On va les remplir là-bas, et après on pourra les remplir directement. Yep, j'ai failli louper. Voilà. On remplit. Ça fait un potin d'enfer, cette araignée. Nous sommes assez loin. Ah bah non, ça crée pas des sources infinies. Donc on continue à remplir ici. Alors que ce soit devant les watermills, que ce soit un bloc source ou pas, d'ailleurs on peut regarder. Ça fonctionne pas pour le moment. C'est terrible. J'espère que ça... Ah bah si je fais comme ça, c'est sûr que ça va pas marcher. Et maintenant je suis bien embêté. Attendez, je vais essayer de remonter. Intelligemment. Mais il faut que je vire. Voilà, on va faire comme ça. C'est encore la manière la plus simple. Voilà. Voilà. Je vais boucher les trous ici. Enfin, pas encore ici, puisque nous en aurons besoin. Je continue. C'est normal que ça fonctionne pas encore, puisqu'il n'y a quasiment pas de machine d'alimenter. Et on continue notre remplissage. Hop. Toujours agréable de se baigner un peu. Notre torche est tombée. Ce bloc-ci. Hop. Donc là, normalement, si j'ai bien compris, puisque c'est la première fois que je le fais avec vous, on devrait produire de l'électricité. C'est pas le cas. On va essayer autrement. Voilà, c'est moi qui m'étais trompé. En fait, c'est la sortie ici. Donc on va la tourner vers par là. Donc nous avons une sortie. Vous voyez, ça produit de l'électricité en continu, gratuitement, à l'aide du watermill. On va poser quelques torches pour éviter les spawns sauvages. Et on va fermer ça pour éviter de tomber dedans, comme je l'ai fait tout à l'heure. Alors ça, vous pouvez en créer un, deux ou trois. Alors d'après les vidéos que j'ai vues qui étaient toutes en anglais,
Je pourrais même pas vous citer le nom de l'auteur, mais l'idée n'est pas de moi, hein. J'ai pas cette prétention. D'après la vidéo que j'ai vue, au-delà du 8, ça devient beaucoup plus complexe et beaucoup moins rentable. Donc il est au quatrième bloc en haut. Logiquement, il est ici. Ça a failli être cadré. On va reboucher pour éviter d'avoir des arrivées de mobs intempestives. Et on va câbler. Donc maintenant, on peut passer. Alors, vous voyez d'ailleurs sur la bad box, c'est une sortie en 32 EU. Partique, et on va faire rentrer ça dans le MFE. Alors vous voyez, maintenant j'utilise plus que de la fibre pour câbler, mais hop, jamais avec le wrench, faites très attention à ça, ça vous arrivera plus d'une fois. On va attendre, on ne va pas attendre d'ailleurs le générateur. Bah, vous voyez à quelle vitesse ça va. On va relier en espérant que je me sois pas trompé, sinon ça explose. Ça n'explose pas. Donc je ne me suis pas trompé. Je peux pas me tromper à chaque fois non plus. On va refermer notre mur. Vous voyez que ça produit déjà beaucoup plus. Hop. Donc le générateur s'est arrêté, mais vous voyez que l'énergie continue à affluer. Pas très très vite, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide, mais ça vous permet d'emmagasiner de l'énergie quand vous vous servirez de vos fours. Aujourd'hui, moi j'ai fait l'essentiel, c'est-à-dire j'ai fait les quatre machines basiques. Donc quand je vais me servir de mes fours aujourd'hui, normalement j'aurai emmagasiné suffisamment d'énergie pour pas me préoccuper de ça. En tout cas, ça nous suffira pour cet épisode. On a déjà vu pas mal de choses. Donc en l'occurrence, vous avez vu l'extractor, le macérator, l'électrique furnace, le compresseur, les hoppers, les différents coffres, la bad box, les watermills que vous avez dans l'eau, les différentes sortes de câbles, dont la fibre qui est le câble ultime entre guillemets. Vous avez vu, elle est retombée dans l'eau au moins 4 fois. Le générateur, le MFE qui est l'évolution de la bad box. Le LV Transformer qui permet de transformer l'électricité du MFE pour qu'elle aille directement dans les machines. Et je crois que c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Et le wrench. Voilà. Ah ben je vais en profiter. Il me reste. Enfin, je vais prendre quelques secondes pour vous montrer un craft supplémentaire. Hop. Pendant que j'y suis. Tiens, ben, je vais utiliser la Pocket Crafting Table. Vous voyez qu'il est marqué XCB ici. Quand vous appuyez sur X, que vous êtes en Pocket Crafting Table, vous videz, tant que c'est possible, c'est-à-dire tant que votre inventaire le permet, vous videz les emplacements destinés au craft. Si vous, par exemple, vous voulez faire des fours, vous les mettez comme ça, là vous pouvez faire qu'un four. Si vous voulez en faire plusieurs, le B répartit les items équitablement. Et le C. Le C fait tourner les items. J'ai jamais compris ça par contre. En fait, ça fait tourner. Voilà, si je fais ça, vous voyez, ça fait tourner les items. J'ai jamais trop compris à quoi servait le C. Mais donc, vous avez le X qui vous sert à vider la table de craft quand c'est possible. Bah, d'ailleurs, j'aurais dû le faire là, mais je vais le refaire. Hop, je fais X. Hop, tout est rangé. Et le B qui permet de répartir les items équitablement dans votre table de craft. Nous allons prendre le deuxième wrench que j'ai. Non, nous allons commencer par reconstruire un circuit, parce que je veux vraiment pas que vous oubliez. Et je pense que pour une fois, j'ai pas oublié d'item. Et j'ai réussi à crafter un circuit sans aller rechercher d'item. C'est magnifique. Donc, un électronique circuit. En espérant que j'ai bonne mémoire pour le craft. Hein. Une riz batterie. Ça aussi, vous l'avez appris aujourd'hui. Et nous allons prendre donc notre wrench, le placer en haut, un circuit électrique et une riz batterie.
et nous avons fait un electric wrench. Et pourquoi j'avais créé un deuxième wrench? Parce que je pense que, voilà, dès que vous avez commencé à utiliser votre wrench, vous ne pouvez plus crafter. Donc voilà un electronic wrench, c'est-à-dire une clé électrique. Faites très attention en l'utilisant, ne l'utilisez jamais pointé vers les machines. Sinon, vous allez avoir des pertes. Vous penserez à moi, de toute manière, ça vous arrivera au moins une fois. Vous voyez, nous avons déjà emmagasiné 170 800-900 EU. L'electric wrench se charge comme ceci dans le MFE. Vous le mettez tout en haut et il se charge jusqu'à 12 000. Voilà. Voilà une machine supplémentaire. De la même manière, tiens, et comme ça, on aura tout fini. On va faire des crafts de fainéants jusqu'au bout. En gros, pour éviter de perdre des machines, on va se faire un tri-tap. Et on va faire la même chose avec le tri-tap. C'est-à-dire à nouveau un circuit électrique. À nouveau deux redstone. Pardon, j'ai toujours le circuit électrique. Et une deuxième rebatterie. Hop, je pense que maintenant vous connaissez les crafts par cœur pour les avoir vus un certain nombre de fois aujourd'hui. La rebatterie, le circuit et le tri-tap. Et voilà, vous avez un électrique tri-tap qui se recharge. Alors, en dehors du fait que c'est rechargeable, que vous n'allez plus jeter vos wrench, etc., etc., quel peut être... non, pas dans le générateur, ça ne fonctionnera pas. Dans le MFE. Hop. Hop. Donc lui, il y a 10 000 EU d'énergie stockable. Donc l'électrique tri-tap, pareil, hein, vous l'équipez. Clic donc. Ben, on va aller le faire en vitesse. Zoup. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous attend? Souvent, j'ai un creeper qui m'attend. Nous sommes devant un rubber tree. Clic droit, et voilà. Clic droit, et voilà. Clic droit. Oh, c'est pénible, ça. Voilà, donc je vais m'arrêter là. J'irai chercher le reste tout à l'heure. Et vous voyez qu'il a perdu faiblement de l'énergie. Il est à 9850 sur 10 000. Le wrench, c'est pareil. Alors, l'électrique wrench, je reviens à mon propos initial. L'électrique wrench, en dehors du fait qu'il est rechargeable, donc qu'il ne s'use plus, il existe un mode. Quand vous faites M et clic droit, quand ça fonctionne, je n'y arrive plus. Bon, bref, il faut que je retrouve la touche qui y correspond. Contrôle. Ça doit être le P alors. Je vérifie. Donc vous voyez, quand vous faites C et que vous avez la crafting table dans votre barre, automatiquement ça fonctionnera. Que je vous dise pas de bêtises. C'est donc le P normalement. On revient. Est-ce que ça va fonctionner? Clic droit, P, clic droit, voilà. Là, j'ai mis en mode où vous ne pouvez pas perdre de machine, puisqu'avec le wrench, vous avez une petite probabilité que la machine casse et vous ne récupérez qu'une partie. En appuyant sur P et en cliquant droit, vous allez mettre en œuvre ou ne pas mettre en œuvre le mode qui permet de ne pas perdre. Là, par exemple, il est mis en œuvre, je ne peux pas perdre la machine. Par contre, vous allez voir, je vais le faire, regardez bien la batterie de la machine. Hop, elle s'est quasiment complètement déchargée. On avait 12 000 à l'origine, on n'a plus que 2 000. Tout simplement, c'est le prix pour être sûr de ne pas perdre votre machine. Ce qui... Bah d'ailleurs, je vais devoir recommencer. Bon là, je peux le faire comme ça, puisque sur les machines de base, vous n'avez quasiment aucune chance de les perdre. Et d'ailleurs, j'aurais pas dû le mettre là. Voilà, le boulet est arrivé. Je vais le mettre dans le trou que j'ai laissé. Ce qui me permet de récupérer un câble. Ils sont suffisamment chers pour les récupérer. Donc, vous voyez que le wrench fabriqué de cette manière-là vous permet d'éviter la casse de vos machines. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie. J'espère vous avoir été utile dans les crafts que je vous ai appris aujourd'hui. Je vous remercie, ben, si ça vous a plu, de mettre un pouce vert, de vous abonner, ce serait un bonheur, d'en parler autour de vous de manière à ce qu'on soit un peu plus vu, voire beaucoup vu. Je remercie Landrael pour m'avoir aidé à miner, puis j'espère qu'il sera avec moi pour le prochain épisode. On sait pas, on verra. Et à très bientôt pour une suite. Au revoir.